Bonjour, bonjour, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, je vais tenter de vous proposer une vidéo sur les maux qui frappent l'Afrique, les maux qui nous empêchent de décoller, les maux qui nous maintiennent par terre. Je voudrais aussi lever tout de suite des équivoques et freiner tous ces gens qui aiment critiquer sans comprendre que je suis aussi africain qu'eux. Si je critique l'Afrique, c'est parce que j'aime l'Afrique. Si je critique l'Afrique, c'est parce que tout simplement, je vais chercher le savoir pour montrer ce que nous sommes et proposer ce que nous aurions pu être et proposer les belles initiatives des uns et des autres. Et on est nombreux, effectivement, à critiquer, mais aussi à proposer. C'est parce que nous sommes sur le terrain, c'est parce que nous voyons ce qui se passe, c'est parce que tout simplement, nous avons analysé, étudié, décortiqué, soumis à la sagacité des uns et des autres, comment dire encore, l'objet Afrique. Et cet objet Afrique, nous l'avons interrogé. Et dans nos interrogations, nous avons trouvé qu'il y a effectivement des choses qui sont bonnes, mais il y a plein de choses qui sont mauvaises. Et c'est ce que je vais tenter ici de vous déclarer. Par exemple, je parlerai de l'albinisme, des sacrifices humains, je parlerai de la sorcellerie, je parlerai des castes, je parlerai effectivement du travers, de, comment dire encore, du cousinage à plaisanterie, des enfants sorciers, je parlerai effectivement de la sorcellerie. Je parlerai du genre, de la place de la femme dans le système social africain, etc., etc. Donc vous me pardonnerez d'aborder ce sujet-là, mais comme je vous ai toujours dit, c'est parce que des gens me demandent, Monsieur Sissoko, pouvez-vous nous parler de tel sujet, etc. Et en disciple sérieux, en acteur de la société, je réponds, j'essaye de faire de petites recherches et je réponds. Et voici ce que je vais vous proposer en liminaire. L'Afrique subsaharienne, la société hiérarchisée, voilà, une critique de l'Afrique, l'Afrique noire, les castes en Inde, le genre, voilà, la religion et le genre, notre amie Ursule de Ursule, albinos, cadre bancaire, le lien, les liens sociétaux, qui sont d'une importance capitale. Voilà, comme je vous le disais, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui de vous présenter. Mais, comment dire encore, nous allons tenter de définir les concepts, puisque sans définition, nous ne comprenons absolument rien. La caste, qu'est-ce qu'une caste? Vous savez, c'est un groupe social hiérarchisé, endogène et héréditaire. Les motivations, le mot vient du portugais casta, qui signifie lignée, race, rang social. Race, vous mettez bien entre guillemets. Plusieurs sociétés en Asie ou en Afrique pratiquent cela. Les Peuls, les Soninkés, les Yaranké, les Zarma, les Toucouleurs, les Hassonkés, les Wolofs, les Mandingues. Aussi, en Inde, on trouve effectivement cette pratique de caste où effectivement on hiérarchise les gens et effectivement c'est son statut social qui va faire son statut professionnel qui va faire son statut social. Et il y a eu beaucoup de problèmes en Afrique parce que vous avez eu beaucoup de gens extrêmement brillants qui n'ont pas pu accéder à certains
certains postes. Il faut que cela cesse. Je sais qu'au Sénégal, on a avancé là-dessus. Je me rappelle, le Premier ministre, c'était Habib Thiam, et les gens se moquaient de lui, le caster au pouvoir, etc. Oui, le caster au pouvoir, et j'en suis fier. Dans une région de France, j'étais aussi allé faire une conférence, et les jeunes se battaient tout simplement parce qu'un caster, un griot, un forgeron était le responsable, et les nobles étaient les subalternes. Voilà. Et les parents se disent, mais c'est quoi ça? Les enfants leur disent, mais on a grandi ensemble, etc. Comment veux-tu que je sois supérieur à lui? Ou bien, vous savez, pour le mariage, par exemple, les mariages impossibles, les parents se disent, tu peux jouer avec lui, mais tu ne peux pas te marier avec lui parce que vous n'êtes pas du même sang, etc. Toutes ces choses-là nous enfoncent dans l'ignorance, dans vraiment l'irrespect. Il faut qu'on dépasse ces choses-là. De quel droit? Nous sommes une personne, comme dit Dolto, de quel droit est-ce que je suis supérieur à telle ou telle personne? Il faudra réfléchir à ça. L'excision, une pratique courante en Afrique. Et cette pratique-là, il faut effectivement. Oui, je disais l'excision, qui est une pratique courante un peu partout à travers le monde, l'Égypte, etc. C'est l'ablation du clitoris de la femme, un organe central extrêmement important chez la femme. C'est une mutilation, on coupe. Il y a différentes formes, les infibulations pharaoniques qui sont barbares, où on coud le sexe de la femme, où on enlève le clitoris, où on enlève les glandes lèvres, etc. Ce sont différentes pratiques, tout simplement pour insérer la femme dans la société. Mais en réalité, c'est tout simplement enlever à la femme ce qu'elle a de plus cher, sa féminité. Donc on ne voudrait pas effectivement que la femme exprime sa féminité, mais de quel droit? C'est l'organe du désir. Elle a le droit de désirer, elle a le droit effectivement de vivre. Donc je sais que beaucoup de populations, beaucoup de pays ont condamné l'excision, et tant mieux, tant mieux. Mais il y a des survivances et effectivement, il faut être vigilant. Et je sais que, par exemple, l'été, quand les gens de la diaspora envoyaient leurs enfants en Afrique, dans les villages où on pratique l'excision, la tente, etc., essayaient d'exciser. Et les sages-femmes, les assistantes sociales en France disent, faites attention, ils ne sont pas venus en vacances pour se faire exciser. Elles sont venues en vacances pour se libérer l'esprit, changer, retrouver la famille. Donc soyez vigilants quand vous envoyez vos enfants en Afrique ou ailleurs où on pratique l'excision. Dites-leur bien que c'est interdit et que vous ne voulez pas qu'on touche à la chair et au corps de vos enfants. Et soyez ferme là-dessus, ferme. J'ai une amie qui a écrit un excellent bouquin sur ce sujet-là, puisqu'effectivement, le droit s'en est mêlé. Marie-Jo Bourdin, qui a écrit L'excision, une coutume à l'épreuve de la loi, et où essaye de comprendre effectivement les mécanismes de cette chose-là. Voilà, hein, je sais que beaucoup de pays ont condamné cette pratique. Hein, il faut l'arrêter. 90% des pays africains ont pratiquement arrêté, mais il y a des survivances, donc c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Et vous savez, maintenant, quand les enfants reviennent à la PMI, etc., on essaye de voir, on touche pour voir est-ce qu'on a coupé ou pas, et si on a coupé, ce sont les parents qui sont responsables. Hein. Donc c'est la prison. Hein. Donc je vous le dis tout de suite, c'est la prison. Le cousinage à plaisanterie, qui est aussi une autre pratique qui est très bien sur la société, comment est-ce qu'on doit gérer la paix, comment on doit éviter les conflits, etc. Mais il y a des dérives. Par exemple, un cousin peut vous trouver comment on appelle ça, dans une queue à la banque, etc. Et à cause de la, et alors qu'il y a 100 mètres, 200 mètres, 200 personnes qui attendent, et il va venir, il prend la place parce que tout simplement vous êtes son cousin. Ce n'est pas normal. Le cousinage, la plaisanterie à cousinage ou le cousinage, etc., ne doit pas être, comment dire encore, une occasion pour violer le droit, violer les règles, etc. On peut le faire en dehors, hein, du cadre légal. Voilà, hein, c'est quelque chose qu'on fait dans l'intimité privée, etc. Mais dans l'espace public, si on peut l'éviter, ce serait très bien parce qu'effectivement, ben, certaines personnes ne sont pas dans votre groupe ethnique, n'appartiennent pas à votre socioculture. Donc, ils ne comprendront pas effectivement qu'ils restent ici depuis 5 heures de temps et celui-là vient d'arriver et il prend la place de l'autre, etc. Hein, c'est comme effectivement le droit d'aînesse, vous faites la queue. Bon, oui, on peut. Voilà, mais les gens respectables vont respecter effectivement l'ordre, sinon ils auraient dû se lever plus tôt, etc. Voilà, mais bon, chacun joue comme il faut et ça peut passer, ça peut passer. Mais il ne faudrait pas qu'on en abuse, c'est ce que je veux simplement dire. Donc on se plaisante, c'est le droit de se moquer sans conséquence, c'est le droit, c'est de la plaisanterie. Et c'est extrêmement intéressant pour effectivement le lien social. La sorcellerie, vous savez très bien que dans nos pays, c'est catastrophique. Avant-hier, j'ai regardé une émission.
YouTube, une jeune fille Ndaou, qui fait partie des meilleurs jeunes au monde, qui est à l'ENSA. Et on demandait à sa maman, est-ce que vous n'avez pas peur de présenter votre enfant comme ça, en disant qu'elle est brillante, surdouée, etc., etc. Elle dit non. Elle dit, je le fais pour tout simplement inciter tous les autres à faire pareil. Tous les parents à bien accompagner leurs enfants. Tous les parents à bien accompagner leurs enfants. C'est tout. Et maintenant, si des gens méchants, si des sorciers veulent le prendre, qu'ils le prennent. Mais moi, je veux que ce soit un exemple pour l'Afrique. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans un poste, ils vont aller voir un marabout pour que vous soyez malade, pour qu'ils prennent le poste, etc., etc. Donc, le maraboutage est quelque chose qui est vraiment très, très délicat dans notre continent. Vous allez dans votre bureau, vous trouvez un œuf, vous trouvez n'importe quoi, etc. On veut vous faire du mal. La sorcellerie, en réalité, elle peut être bénéfique pour vous protéger, pour effectivement vous donner des faveurs, mais généralement on le pratique pour faire du mal. Hein. On fait des sacrifices pour vous faire du mal, pour vous atteindre, etc. Alors que l'individu doit aider son prochain à être meilleur, à se développer, à se promouvoir. Mais arrêtons effectivement ces pratiques barbares, etc. C'est ce qui a conduit, vous savez, au crime rituel avec les albinos, avec d'autres personnes, à l'époque avec les jumeaux, hein, etc., etc. Donc les Alminos souffrent de cela et il faut qu'on arrête ça. C'est pourquoi je salue Mariam Maïga, je salue Ursule de Ursule, je salue, comment on appelle ça, Madame Tanke, tous ces amis qui se battent contre effectivement les maux que vivent les albinos à travers le monde, etc. Et je les soutiens depuis très 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 longtemps. Les balafres, les balafres, les balafres. Avant, c'était un signe distinctif tout simplement sur la figure. Mais quand l'enfant grandit, comment il va vivre avec ça? Comment le monde change? Le premier visage, c'est le visage qu'on regarde, etc. Et les balafres sont prononcées. Je comprends très bien la philosophie des balafres, mais on peut le faire autrement. On peut effectivement, il y a des mutations. On peut le pratiquer autrement. Effectivement, pour ne pas affecter la vie de l'enfant, parce que l'enfant ne sera pas expliqué. Il va grandir avec ça, avec des grandes balafres, et les gens, il va voyager. Il ne reste pas dans son ethnie. Avant, on restait et on mourait dans son ethnie. Mais maintenant, on voyage. Et quand on voyage, ben, on s'ouvre au monde. Et il y a une image qu'on veut coller aux gens, etc. Donc, évitez effectivement de donner l'occasion aux autres de stigmatiser votre enfant ou de le regarder comme effectivement quelqu'un qui sort de je ne sais où. Il y a aussi le tatouage qui est très intéressant. Mais attention, il y a le tatouage des gencives, le tatouage des lèvres. Mais en Afrique, on ne regarde pas si l'enfant est allergique ou pas. J'ai vu une jeune fille avec un tatouage sur les lèvres, mais elle avait des lèvres comme ça. J'ai souffert. Je suis très sensible, j'ai souffert. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle a beaucoup souffert. Comme effectivement ces femmes-là qui tiennent un enfant de 5 ans, une jeune fille de 5 ans pour l'exciser, hein, de toute leur force, de toute leur force. L'enfant crie. Il y a des morts, je vous le dis. Il y a des morts dans l'excision. On ne le dit pas. Des saignements, des conséquences graves, des fistules. Des cicatrisations qui sont mal faites, etc., etc. C'est la même chose, effectivement, avec ces balafres-là, parce que c'est méchant, parce que ça fait mal, etc. Donc, on peut trouver, effectivement, d'autres formules. C'est comme, par exemple, le tatouage sur le corps. Maintenant, quand vous êtes adulte, vous le faites, c'est votre affaire. Mais un enfant, laissez-lui son corps quand même, c'est extrêmement important. C'est une entaille faite par une lame tranchante, particulièrement au visage. Non, il faut arrêter ça. Je voulais aussi parler de la femme. La femme dans la religion, on parle de la femme qui est seconde, qui est derrière. Mais quel droit? Mais la femme est une personne. Le genre dans l'islam, le christianisme, etc. Femme un peu partout en arrière. Les religions, un frein aux droits de la femme. J'entends ici le corps des femmes comme une menace. Une menace, les cheveux, la femme, mais elle est belle. Et alors? Et alors? Ben, c'est à toi de te retenir, c'est à toi d'être éduqué et de savoir te retenir. La femme a le droit d'être belle, d'être séduisante, etc. Voilà. Et c'est à nous de les respecter. Le Pakistan, des religieux veulent autoriser à battre légèrement les femmes, surtout quand il y a un refus de rapport sexuel. Mais la femme est fatiguée, elle a le droit de dire non, elle n'est pas disponible 24 heures sur 24. C'est quoi ces manières-là? C'est toujours l'éducation. Comprendre effectivement quand l'individu est fatigué. On peut effectivement suspendre et ce n'est pas forcé. Ce n'est pas parce que c'est une femme que je dois coucher avec elle n'importe quand, même quand les religions le disent. C'est du bon sens. Les religions disent des choses, mais nous, le bon sens, on peut le comprendre. Mais arrêtons d'être effectivement aliénés. Essayons de comprendre.
et vivons avec nos épouses, discutons, échangeons, plutôt effectivement que de les violenter comme ça, etc. Et une femme est une personne, elle a le droit effectivement d'exister et d'exprimer. Les enfants de la rue, les talibés, on fait des enfants, on les laisse dans la rue, etc. Alors que ces enfants, on devait les éduquer, c'est l'avenir du pays. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un pays effectivement qui sera en retard. Les talibés au Sénégal, les enfants sorciers qu'on accuse un peu partout. Gala a fait un reportage magnifique, magnifique sur la violence, effectivement, la violence que subissent effectivement ces enfants, ces enfants dits sorciers, etc. On met le doigt dans leurs yeux hein, pour leur enlever le troisième œil, etc. Mais c'est quoi cette barbarie? Mais c'est quoi cette barbarie? Il y a plus de 8 millions d'enfants comme ça dans le monde. Hein. On les marginalise, on les met au rebut. Hein. Ils sont soumis à tout. Ils vivent dans la violence, dans la rue, hein, de tout petits, même à 2 ans. Hein? Et quand les pasteurs viennent pour les soigner, on met le doigt dans leur œil, etc., avec des pratiques barbares, etc. Mais l'Afrique, arrêtez certaines pratiques. Arrêtez certaines pratiques. Hein? Et trouvons d'autres solutions. Hein? C'est comme les fous, par exemple. On les laisse dans la rue. Il y a quelqu'un, je pense que c'était au Bénin, qui récupérait les fous parce que tout simplement, c'était un dérèglement. Il les récupère et l'individu reprend ses esprits, etc. Mais vous savez, on est dans un conditionnement. Dès que vous sortez de la ligne, on vous enfonce ailleurs. On ne vous récupère pas. Il n'y a pas de système de récupération comme de bouée et de secours. C'est pourquoi je voudrais bien qu'on développe le système des travailleurs sociaux et des assistants sociaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on le mette dans la mentalité. Hein, ce serait intéressant, effectivement, qu'on fasse ces choses-là, qu'on fasse ces choses-là. Voilà, je voudrais vous inviter à, j'ai terminé, à vous abonner à ma chaîne. Il y a au moins 50 vidéos. Quand vous vous abonnez, vous recevez gratuitement les vidéos. Prochainement, je vais travailler sur un grand professeur, le professeur Ibrahima Sow, qui est décédé. Ce sera de la géopolitique. Voilà, tout ce que je voulais vous dire ici sur certains mots, tout simplement. L'Afrique bouge, l'Afrique s'émancipe, mais il y a ce qu'on appelle des pesanteurs sociales qui font que ça freine, ça ralentit, et ça, ce n'est pas normal. Il est de notre devoir de parler, il est de notre devoir d'écrire, il est de notre devoir d'alerter, il est de notre devoir aussi de montrer ce qui fonctionne à travers le monde, les Africains qui bougent.